Moto,
Merci. A tondo, tondo ben mamoko. Nous allons prier. Tokobondela. Pour la restauration de Satan. Pour la boussole de Samanayo, mon koya sibi sibi. Que Dieu te fasse un grand esprit. Que tu comprennes encore les choses de Dieu et les choses spirituelles. Tiens, la chose de Sayo sibi sibi, pour ce que nous sommes à la fin de la vie, et que nous sommes Jésus, papa, na sengi restauration na tomba lelo. Na sana posa kososola. Ma kavo ya yo ya bonzambe pe ya molimo. Na kati ya bomo inanga, Seigneur. Oh ya ya elonga, Jésus. Alléluia. Osa nzambe. Oya sala kama kama minene. Ya bona sengi restauration na tomba lelo, Seigneur. Na tomba lelo masia, na tomba ya lelo bika mwa, na tomba lelo, elombe, salam sata bomo inanga, papa, semi restauration spirituelle totale dans ma vie, oh mon Dieu, Yesu, zante ya solo, osalaka mokonzi, na yo restaure bomo inanga, na vie restauration, na katia bomo inanga, na katia bomo inanga, Seigneur, na katia bomo inanga, Jésus, na katia bomo inanga yelonga, na katia bomo inanga, Jésus de Nazareth. Merci. Amen. Bon, nous parlons du sixième point. Toujours parler de la montée. Kébanje. Y'a Kébanje. Nous avons dit au moins cinq points. Tout le monde dit, en tant que temps. C'est la grandeur. Mais nous voulons devenir grand, oui, mais il faut quoi? Il faut garder les caps. Les signes de vie. Et tu es là. Et tu sali. Tu dois oublier les exploits du passé. Ça va t'affaiblir. Et voilà pour les pisalo. Et la maturité. Qui est une réflexion stratégique. On a vu le dimanche passé. Et aujourd'hui, le sixième point, qui est le réflexe prophétique. Nous allons voir ça. Après, c'est toujours les premières choses. Donc, quand nous parlons des réflexes prophétiques, je ne vais pas trop durer dans mon enseignement. Quand nous parlons des réflexes prophétiques, nous sommes en train de saisir l'opportunité pour agir autrement dans ton intérêt. Parce que quelqu'un qui a des réflexes prophétiques, il saisit ce qu'on appelle l'opportunité de temps pour agir. Les journalistes me posent la question, mais les ministres ne sont pas fâchés, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis un peu. Si ça va maintenant, ça s'appelle dans le langage prophétique le réflexe prophétique. Un homme, un grand. Si tu n'as pas ce réflexe, tu es mort. Sois sur ton agis. C'est-à-dire, le premier élément du réflexe prophétique, c'est saisir l'opportunité pour agir autrement. Et l'homme à ton intérêt. Alléluia. Amen. Tu travailles pour Dieu et pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons ça. 1 Samuel chapitre 17, verset 40.
Bouguia siapa le costo, o na pozo na sala, o que tenha tudo miné. Bom, eu vou que il faut laisser courir aussi un pasteur. Parce que... Ils ont lu le livre 1 Samuel, chapitre 17, à partir de verset 40, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies. C'est pas seulement ça. Montez là où David. David saisit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher. Car... Non, c'est pas ça. J'ai dit montez. Nous sommes en direct, monsieur. Montez. Montez là où il a posé la question. Madame, qu'est-ce que tu as dit? C'est là où est ton problème, mon frère. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Monsieur le pasteur, tu peux remonter pour qu'il comprenne le combat. Ça, c'est une prédication précise. Ça demande aussi un lecteur précis qui est capable de remonter jusqu'à la pensée de l'homme de Dieu et la pensée de Dieu. Donc, c'est trop bas là. Avant d'aller au combat, nous parlons des réflexes prophétiques. Quand on parle de réflexes, ça dit saisir l'opportunité. L'opportunité, si ce n'est pas aller au combat directement, non. Non, non, il faut remonter là où David a pris Goliath. Ça l'a excité. Ça l'a excité. Et c'est l'opportunité, ça c'est l'opportunité. Ouais. Pas le combat. Le combat c'est autre chose. Il tombe sur le monsieur. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Voilà. Yabon. Tu vois un grand? Comment dit Kéban? Il arrive quelque part. Si bon, il voit une situation. Mais cette situation-là, c'est décourageant pour les autres. Parce que c'est pas avec Goliath. Faut être beaucoup Goliath. C'est une dimension très haute. Et ça consiste à l'Igolo Magas. C'est ça, c'est ça. Mais, pour David, c'est un réflexe prophétique. Et ça, pour aille, il doit saisir l'opportunité là. Pour agir autrement. Les autres plaies. Les autres charges. Les autres réquilles. Mais un grand. Quelqu'un qui est devenu grand. Ne réquille pas. Ne réquille pas. Il doit profiter de cet âme-là. C'est le jour où je dois confirmer que je suis le roi d'Israël. Et ça, mon colonne, il me s'en a pas donné ce que là il est pour Israël. Je ne peux pas être un roi la cause à la boue sans laisser des traces. En quoi c'est l'option que j'ai? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont pauvres. Parce qu'ils regardent les gens. Il attend que Dieu vienne le prendre par la main pour le faire traverser. Tu attends le moment de Dieu. Quel est le moment de Dieu? Donnez-moi un amen. Amen. Quand tu attends, un opportuniste va prendre la place. Donnez-moi un amen. Amen. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de règles. Il n'y a que l'opportuniste qui gagne. Parce que tous les éléments, tu en as. Dans le monde. La Bible déclare tout mal entre vous sera lui les sans effet. Un opportuniste n'a pas peur. Un grand pas peur. Comme cela, je n'ai peur que de Dieu. Donnez-moi un amen. Parce que Dieu est avec moi. Pour mettre 10 000 contre moi.
pas avoir des réflexes, profite. Et en saisissant l'opportunité pour agir autrement en t'attendant la volonté de Dieu. Parce que tu n'auras plus ce temps là. Les opportunités sont mauvaises. Mais l'opportunité que tu as là, tu l'auras plus. Amen. Avoir d'autres. Mais tu n'agis pas avec une seule opportunité. En plusieurs opportunités. Mais si tu as l'opportunité, tu n'auras plus ça. Parce que l'hiver que j'avais à ce moment-là, si tu ne peux pas me demander, je n'aurai plus cet hiver. Alléluia. Amen. Les jours-là ne reviendront plus. Un autre prophétique voit la vie comme ça. Et c'est comme ça. C'est pourquoi des raisons. Trois raisons. Pour que tu puisses saisir l'opportunité. Un. Affronter le combat. Amen. Les paresseux, le péril n'ont pas droit. Un élément important. Trois thèmes. Il faut changer de tenue et de stratégie. Je vais vous enseigner, même ce qui ne suit pas tout à l'heure. Que manger, ce n'est pas un cri. Ce n'est pas un slogan. C'est un enseignement. C'est une structure spirituelle. C'est une prophétie. De ta vie. Tu as dit, je ton nom. Mais la grandeur, et tu ne peux plus de Dieu. Quand tu l'obéis, lui, il te bénit. Et lui, il te rend grand. Donc, si tu ne saisis pas tes éléments, c'est fini, tu restes là. Et si l'autre a dit, donc, David a accepté. En posant la question, il voulait savoir quel est le guerre. Pour qui je vais battre. Oh, le roi va donner sa vie. Il va donner sa vie. Ça, c'est l'intérêt personnel. Tu ne peux pas travailler sans que tu travailles sur un intérêt. Quand tu as cette raison, tu dois agir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tu ne peux pas, quelqu'un de réflexe ne peut pas agir. S'il ne comprend pas, il n'accepte pas de risque. Il a la famille. Il n'est pas mon mari. Non, le papa l'a quitté. Il est tout jeune. Il a la vie devant lui. Il a la grandeur de Goliath. Je ne regarde pas les conséquences. Je commence à regarder les conséquences. Je veux plager. Je regarde mon intérêt. Je regarde l'intérêt de Dieu. Si l'intérêt que je porte, si le combat que je livre, Dieu va avoir le gain. Moi aussi, je prends le gain. Je vais agir. Quelle que soit ta taille, ton armée, ce que tu es. Je vais te toucher. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Et surtout si je reste dit l'intérêt. Peu importe. C'est que les gens captifs.
les gens et tous étaient contre, jusqu'au roi. Mais tu vas aller dire par pas comment. Comment? Mais quel est qui est? C'est vrai. Lui on dit. Alors il y a toi. Ton orgueil. Qu'est-ce que tu délivres? Je te donne à ma main. C'est vous. Vos intérêts. Mais là, je vais travailler pour moi. Écoute, c'est lui qui m'a envoyé. Donnez-moi la main. Amen. Si tu veux combattre seulement pour tes intérêts personnels, Dieu n'agira pas. Il faut les deux là. D'abord, tu gagnes. Et toi, tu gagnes. Les gens n'attendent pas. Amen. Donnez-moi la main. Amen. C'est comme ça que j'ai gagné. Alléluia. Amen. J'ai dit hier à la nuit à mon fils. Alors, j'ai dit, c'est comme ça que tu vas agir. Sois comme ton père. Et je mourrai comme ça. Arrêtez ton nerf. Là où les gens ne voient pas moi, je vois. Là où les gens ne suivent pas moi, je vois. Moi, je marche contre le courant. Alléluia. Amen. Je marche à contre courant. Je n'écoute pas les gens. J'écoute les gens qui comprennent ma vision. Mais tous les paresseux, tous les aveugles et les sourds, comment tu peux t'écouter? Parce que tu ne vois pas. Ne craignez pas ce qui tue le corps. Écoutez, celui qui tue et le corps est là. Amen. Alléluia. Amen. Moi, tu es là. Tu es là. Est-ce que la nourriture a? C'est bon. Il s'est fait le long maté. Amen. Il s'est fait le long maté. La grâce qui est là, tu ne peux pas la lever. Et c'est celui là que moi je défends. Non, c'est moi, je les défends. Alléluia. Amen. On a bien la main là. Amen. Donc si tes motivations ne sont pas de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu défends Dieu. Et tes motivations doivent te défendre de toi. Je dois avoir des intérêts. C'est d'abord de Dieu. David a l'option. C'est pas l'option de la forêt. Si elle n'a pas donné l'option à David pour aller taper seulement les animaux. Il a mis l'option à lui pour taper les enfants de Goliath. Le problème qui est devant toi, c'est ça le Goliath. L'option qu'on a mis à toi là, c'est pour aller combattre ça. Et si tu ne profites pas de l'opportunité que Dieu te donne le souffle de vie, tu n'auras plus ça. Pour accepter le combat. Quand il a entendu les intérêts,
fille. Mais c'est la même période. Tu dois épouser la fille. N'a pas la moindre. Tu dois avoir l'argent. Tu dois avoir ça. Alors, deuxième intérêt, le premier qui est Dieu. Si je peux taper cet homme, qu'est-ce que Dieu gagne? Le nom, la gloire, l'honneur. Et Israël est libre. Tu as besoin de libérer ta femme. Tes affaires. Allez, en paix. En s'enfermant dans la chambre par des discours. Non. Accepte le combat et combat. Prenez-moi la main là. Avec tous les risques possibles. Tu peux mourir, tu peux décider, tu peux mourir. C'est normal. C'est normal. Si tu meurs, pas par là. Mais tu tomberas malade et tu mourras. Il faut mourir avec ma mère. Il y a beaucoup de femmes qui sont là. Amen. Elle est l'eau, la papée. Mon long diabar a capé l'homme. Amen. C'est ce qu'il dit. Qui est présent aujourd'hui? C'est lui qui a fait mon côté à l'eau. On a mis dans la tête des bagages, des blessures pour la partie. Tout le monde a mis la tête. Ma marche. Ma marche, c'est bien le poca. Il a accepté le combat. Dieu n'a pas payé par les sept. Ça m'a foutu le belle. Il a payé celui qui a combattu. A foutu le combattu. Même à ta volonté, à ta maladie. À ta volonté, à n'importe quoi. Alléluia. Il est. A son âme, alléluia. A foutu. Il a payé. Ça m'a foutu. Son combat qu'il a mené. Mais tout maintenant, Ounaka. Il a brûlé les balles. À qui dit maintenant? Balles. Ma chasse, c'est à toi qui m'a envoyé. Il a risqué la mort. Où ça fait pour être soigné? Dans la rue. Dieu l'a pris dans la rue. Pour le placer au palais de la nation. Et comment Et quand c'est arrivé, Et voilà, comment m'a dit, qu'est-ce
Et la hache là-bas.
Mais ça, c'est la propriété. Ne blesse pas les gens dans tout ce que tu fais. Ne montre pas quelqu'un que toi tu es. Non. Fais ça proprement. A déposer les blancs en aïe. A tourner. Merci mon corps. A qui mon Luca. Il est parti chercher cet art. C'est là où tu avais commencé la lecture. Allez, continue avec ça. David et une femme s'est trouvé près de lui. Non. Comprends le message. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies. Ce que vous voyez à terre, vous avez un rigolo pour moi, on n'est pas attiré de là-bas. On est à la télé. David saisit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. S'en débarrasser lui. Allons-moi en haut. Si tu n'abandonnes pas certaines habitudes des gens tranquilles, les mensonges, la prostitution, l'orgueil, tu ne battras pas Goliath. Amen. Si tu veux porter la victoire dans ta vie, débarrasse-toi des choses rejetées. Alléluia. Amen. Prends tes propres armes. Prends tes nouvelles stratégies. Change de délit. Je ne peux pas venir dans une nation pour donner un message qui est déjà là. Quand je suis rentré, j'ai commencé le message de la repentance. Ministère d'abord. Et aux paupières. Et aux politiques. C'est un message que je n'ai jamais donné publiquement. J'ai donné un message simple. Est détruit à cause du comportement des hommes de Dieu. J'ai donné des prophéties. Quelques jours après, les choses commencent à se manifester. C'est comme ça. Tu ne peux pas donner un message ancien. Tu ne peux pas venir à la tenue de Saoul. Tu dois chercher les pierres. Dans la révélation. Dans l'eau. Regardez comment tu es. Ma fait la beauté. Ma fait ma temps payée. Ma
Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 C'est pas ça qui compte. Il y a beaucoup de personnes. Pour la montre, lisons le livre Jonas, chapitre 1er. Nous commençons à partir du verset 11. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme? Non. C'est-à-dire, elle se va tomber le verset. Il faut maintenant au moins que l'on brise la sens. Vous avez la mémoire de ce moment-là, pas la compétence de la mémoire de la prochaine. Tout le monde est amen. 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 Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, pourquoi a-t-il fait cela? Ma paix dit ce qu'il va gagner la carte. Voilà. Comment il faut que ma paix soit au salam? À tout il peut avoir le bâti de nous en vivant à vous. Si il sort des cas, quand quelqu'un n'est pas conscient. Pourquoi Dieu nous a mis des esprits? Pour blâmer ta conscience. On doit aller à la même parole, à la type de vos choses. Amen. Mais on doit s'aider à vous attirer. Amen. Attends, l'obité de la montée, amen. On peut tromper tout sauf la conscience. Amen. Et vous va habiter. Amen. Et le bâtiment m'a l'aimé, mais je vais expliquer le crayon dans la carte. Alors je vois maintenant que la carte dit, on peut tromper. On peut tromper la tibie. C'est la sainteté. Mais le problème c'est que les yeux, ça a été donné. Alors donc c'est l'importance là. Alléluia. Il fait ton changement, il fait le changement de politique, il fait le changement de passé, il fait le changement de vie. Pour que vous puissiez profiter de ce temps. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient même de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Verset 11, ils lui dirent, que te ferons-nous? Dis-nous, c'est toi qui as prouvé, c'est pas. Quand on parle de la grandeur, saisir l'opportunité. Profiter du temps pour rectifier les termes. Tu vas, cela s'en compris. Et c'est le moment. Je le dis amen. Pour en tout cas, avec raison. Dieu ne peut pas envoyer des messages dans une nation. Donnez-moi la main à toi. Pour créer
toi, et à toi, et à toi. Profitez pour répéter. Si vous avez dit, me suis, vous me posez la question, pourquoi j'étais trop le même. C'est pour ça. Pour que vous nous puissions nous rectifier. Faites de la lecture. Verset 12, il a répondu, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Voilà. C'est ça la réponse que j'attends au Congolais. C'est moi qui ai tué tous ces gens. Les élèves de Jéhovah. Moi, amener ces peuples à perdre les histoires qu'ils ont jetées dans la mer. Les commerçants qui donnent des dîmes dans les églises. Mais à cause de l'erreur de Jonas, beaucoup de gens à l'église ont perdu la foi à cause de moi, ont perdu la foi à cause de moi, ont perdu. Je demande à Dieu, à serviteur, à nous tous, à tous les politiciens, combien de gens sont tués par des actes là. Donnez-moi la main à autre. En donnant l'argent de l'État, tu as tué combien de chômeurs? Peuple congolais, 3 millions de ignorants, 3 millions de monde à combien d'école. Il faut que tout le monde, je fais des bruits pour ça. Tant que vous ne ferez pas ça, je continuerai le bruit. Nous devons faire des efforts. Et les hommes de Dieu, parce qu'en tuant déjà, par un vrai comportement, nous créons une perte. Et le sous-développement. Amen. Voilà le sens de mon combat. Donnez-moi une amen. Amen. Un prophète a l'objectif que Dieu lui donne. Reconnaître ce qu'il a fait.
tomba. Quand ils sont là, tu es. La fête tomba dit aujourd'hui son église est en train de manger. Je ne vais pas très jusqu'à la dernière vérité. Le propos de Jésus doit lui revenir. Le tombeau n'est pas pour les gens de Sassou qui. Le tombeau n'est pas pour ces sorciers-là. Le tombeau est pour Jésus-Christ de Nazareth. Il réclame son pays. Il réclame tout ça. Il vous réclame vous. Il réclame la bénédiction de vos monnaies. Quand nous mangeons comme Israël, Israël a des pierres partout. C'est le pays qui a une grande agriculture. Amen. Il fournit tout le fruit au monde. Mais la terre est pierrée. Donnez-moi un amen. Qui a gagné Israël? Nous voulons que ce Dieu-là donne la victoire au Congolais. En commençant par ton sacrifice. Le président dans ses sacrifices, les ministres dans ses sacrifices, les députés dans ses sacrifices, les pasteurs dans ses sacrifices, la population dans ses sacrifices. Vous nous demandez de faire des sacrifices, c'est vous qui êtes au-dessus là. Vous avez vos salaires, ça monte. Et nous, et ces peuples, on ne va pas se limiter seulement à la prière. Nous voulons manger quoi? Nous voulons déjà pour nous donner à manger. Donnez-moi un amen très fort. Amen. Il n'y a pas de sentiment. Donnez-moi un amen. Amen. Appuyez sur la solo. Amen. Amen. La nation m'écoute. Alléluia. Amen. Ce pays, moi je le combattrai. Oh, il y a une nuance à combien de temps qu'on a dit que vous m'avez dit que vous m'avez dit. Donnez-moi, eh mon Dieu, on va te combattre. Et ça soit qui? Donnez-moi un amen. 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 Si j'étais un ministre, comme vous le dites, ce matin, il y a un ministre qui est au Roma. Pourquoi on va bien en prison? Pourquoi on va bien en prison? Parce qu'un ami, on n'arrête pas. Mon Dieu, on va bien en prison. Notre ami est encore là.
De quoi pécher le membre de la famille de Bazaï. Amen. Amen. Tu es le miroir de la conversion des gens. Ce que tu fais peut bloquer quelqu'un de venir à l'action. Ce que tu fais, ce que je fais, peut stopper l'évolution. Sois déplacé. Sachez, Zakali, il a suivi
que Jésus passera par là. Oh.
En Europe ou partout, vous êtes. Tu as écouté la parole. Un grand. A besoin de réflexes prophétiques. Je te prie à toi. Cette sémence de Dieu qui a disparu au travers de l'incrédulité, des doutes, de la peur et du mal qui te ronge tous les jours. Je te prie cet esprit de la sémence satanique dans ton corps. L'esprit du réflexe. Que tu sortes des choses au moment favorable. Que tu comprennes le temps de Dieu. Que tu comprennes les opportunités. Que le Saint-Esprit brise le ténèbre à toi pour le remplacer par ses réflexes. Gagnez. Sois béni. Profitez de ça. Sois béni au nom de Jésus. J'ai dit, personne ne marchera sur toi. Les sorciers ne marcheront plus sur toi. Amen. C'est Dieu-là qui a utilisé la vie. Qui t'utilise au nom de Jésus. Amen. C'est Dieu-là qui a utilisé Jonas. De se faire tuer. Il ne verra jamais été mort. Quand il est tombé dans l'eau. Dieu l'a récupéré. Je veux que Dieu te récupère. Que Dieu récupère le peuple congolais. Que Dieu récupère les politiciens. Qu'il récupère la richesse de notre pays abîmé. Je veux que tu bénéficies de ce pays-là. Je veux que mon Dieu te donne la capacité de bénéficier du travail. Comme de Jonas, comme de Moïse. Je vous ai toujours dit, Moïse n'a pas pleuré quand il a vu les domestiques. Mais quand la fille de Pharaon a ouvert le coffret, il a crié fort. Et il savait, il ne perd pas son temps. Il s'est entré. Moïse a eu des résultats. Il a été adopté. Là où il y avait la mort. La mort n'a pas atteint Moïse. Parce qu'il avait la grâce. Et il savait saisir le moment. Ah, le coffret est arrivé au milieu de Pharaon, de la fille de Pharaon. Il a crié comme il n'a jamais crié. Arrive au trône. Un combattant, sa prière doit arriver. Le bruit de David est arrivé, c'est Saul. Crier, c'est la prière. Crier que tes valeurs puissent crier devant les gens. Que ton témoignage commence à crier devant les gens. À toi. Je suis en train de passer l'acte de la condamnation de ma vie que ta famille a érigé contre toi. J'enlève ça au nom de Jésus. Moïse a enlevé la malédiction de Ruben. Il dit Ruben, qu'il vive et qu'il soit nombré. Je suis un chef spirituel. J'enlève la malédiction. Que les sorciers de ta famille ont posé sur toi. Au nom de Jésus, les maladies qui sont imposées sur toi, les sémences sataniques qui l'ont placé sur ta vie, j'enlève ça au nom de Jésus. Je suis en train de placer la gloire dans ta vie. La
victoire, le mariage, l'élévation, le succès, la réussite. Personne ne peut avoir l'autorité sur toi. J'invoque le Dieu d'Israël. Yoshua Mashiach. Que ça est bonne mère des enfants. Aujourd'hui, tu commences à sourire. Aujourd'hui, tu vas commencer à sourire. Je dis aujourd'hui, le combat va sourire. Je déclare aujourd'hui, ta vie va sourire. La loi du blocage qui va être posée sur nous. La loi des célibats, la loi du blocage, la loi de l'enfantement, je bénis ça au nom de Jésus. Je te rends libre. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Et bien, à partir de ce soir, le téléphone va sonner pour la bénédiction. Le téléphone va sonner pour le travail. Va sonner pour l'argent. Je déclare devant Yahweh. Aujourd'hui, pour le monde qui est là, ici là, tu es libre. Et puis tu es libre. Libre, 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 libre. Libre au nom de Jésus. C'est une opportunité. C'est la semaine de la prière. Et je ne sais pas sur le sable. Jusqu'à dimanche. Donc, mercredi, vendredi, nous serons à prier. Donner la prière. Et dimanche, on vient en famille. Parce qu'on va prier les ouvertures des écoles. Ton enfant réussira. Tu réussiras. La rentrée ici va porter la solution dans nos familles. Ceux qui n'ont pas l'argent de Minerva. Je dis, tu es libre. À partir d'aujourd'hui, les téléphones vont sonner. Il y a des gens qui vont vous demander pardon. Il y a des gens qui vont te donner du travail. Il y a des gens qui vont vous envoyer l'argent. Il y a des gens qui vont vous élever. Il y a des gens qui vont plaider pour toi. Ils verront le sourire que tu vas les délivrer. Cette semaine, le Dieu se met de ton cœur. Il se met de opportunité. Il se met de solution. Il faut crier. Il faut crier devant Dieu. C'est la prière. Le sommet de ton péché. Et je l'ai dit, en tant que prophète nation, ça va sonner. Votre téléphone va sonner. Ceux qui ont ta bénédiction, ceux qui ont tes solutions, vont t'appeler. Les rentrées sont là. Les rentrées sont là. L'enfant va rentrer. Tout va rentrer alors. Parce que l'esprit qui mettait le blocage dans ta vie, j'ai chassé ça. Aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre. Amen. 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 Tu es libre. La promesse est la vie. C'est fini aujourd'hui. Et nous sommes à coup de vie de semaine aujourd'hui. Le Dieu va pardonner, il va pardonner, il va réconciliation. Un fils de l'homme pour partir. Tu es béni. Amen. J'ai dit, tu es béni. Amen. Cette semaine, je parle de pas de Yahweh. Le blocage est tombé. Amen. J'ouvre toutes tes relations. J'ouvre toutes tes connexions. Tout ce qui t'appartenait. Qui était bloqué dans le monde du ténèbre, qui reviendra par ici cette semaine. Vous allez voir les retours des gens à l'église, les retours des gens dans l'ignorance, les retours des gens, ceux qui doivent abandonner vont revenir. Et tu vas voir le plus merveilleux cette personne. À partir du fin du guide, jusqu'à décembre, saisissez le produit. Prends le frère qui essaie. Jean Bontaïo, bien mis à la boule. Pas déluminé. Restez debout, tu prends tout bien. Tu ne t'assois pas. T'assois, c'est bien la médecine à ce qui te blocage. Pour faire des amis, ça n'est pas au cas de ma main. Alléluia. Pour bon allié, alléluia.
le Dieu des dieux. Soyez bénis. J'ai stoppé le délivrance aujourd'hui parce que quand vous parlez aux gens de venir, ils ne respectent pas. Donc, je vous pose mes délits. Je vais transformer les sacrifices. Priez victoire trois fois. Victoire. Je bénis tout le monde qui soit à la maison et partout vous êtes. Que Dieu vous donne les ouvertures à partir de cette semaine. Le nom de Jésus. Amen. Acclamez. Vous êtes les gens.